vraiment pas emprunté. Si tu veux. Si tu peux, dis-le en wolof. Si tu te sens. Et puis après, on va l'essayer en wolof. Parce que, en plus, c'est rigolo d'entendre deux langues différentes. Elles sont vraiment différentes. Tu t'adresses à elles, mais aussi à ceux qui sont très loin. Donc c'était bien le volume que tu as mis tout à l'heure, justement, c'était ça qui était bien. Et des témoignages d'individus, d'Ibrahim, d'Ousmane, de tous ces gens qui vivent des choses un peu particulières, qui n'ont pas, pas forcément des papiers et qui ont des choses à dire sur leur situation et aussi sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Et puis, il y a des choses un peu rigolotes autour de leur relation avec les institutions, la préfecture, l'OFPRA, tout ce qui les trimballe à droite, à gauche. Et on a essayé de faire en sorte que, à la fois leur identité, à la fois leur vécu, c'est-à-dire ici en France, et à la fois la solidarité, eh bien tout ça, ça donne une petite histoire où on retrouve toutes ces émotions-là. J'ai commencé la musique très jeune en fréquentant les centres culturels. Le centre culturel Blessingor et le centre culturel français. Ben, ça fait longtemps que je vis en Europe. J'ai les papiers européens et je voyage, je fais ma promotion artistique pour rencontrer des artistes et des échanges culturels. C'est un peu ça. Matuki dem bitimbreu, suma amoli maganel, dinato samareu. Oui, parce que début, j'ai un peu de difficulté de parler, et surtout devant le public. Voilà, donc en ce moment, c'est un peu mieux. Voilà, donc c'est bien, j'ai appris beaucoup de choses.